d'écouter Etzot, les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, chapitre nourriture. 13. Quand un homme consomme une nourriture superflue, il est semblable à un animal, car la spécificité de l'homme est de manger seulement selon ses besoins. Et lorsqu'il mange trop, c'est réellement une action qui relève de l'animal. Et du fait qu'il consomme une nourriture superflue, à cause d'une telle attitude, le mal de fièvre apparaît, que Dieu nous en préserve. Et de même par le fait que l'homme se retrouve à avoir à l'intérieur de sa nourriture un aliment qui n'a pas encore été raffiné pour être digne d'être appelé nourriture d'homme, à cause de cela, vient également le mal de fièvre, que Dieu nous en préserve.